Bonjour, ravi de vous retrouver comme tous les samedis et les dimanches à 18h sur RFM. Aujourd'hui, mon invité est Zazie. Zazie, bonjour. Eh bien, bonjour Pascal. Alors, hier, les enfoirés, triomphe, carton. Chaque année, c'est toujours le record d'audience. C'est dingue. Hein. Oui, alors, en même temps, c'est vrai qu'il y a quand même quelques ingrédients qui pourraient faire que c'est quand même un peu une émission à ne pas rater. Ouais. Mais au-delà de l'émission, c'est vachement bien parce que ça veut dire que les gens sont quand même. Il y a une espèce de rendez-vous affectif aussi qui est bon, bah, ok, ils vont bien se marrer, ok, ils vont nous voir dans des costumes improbables. Mais aussi, avec ok, les ils savent ce du qu'ils moment, font. Ouais, voilà. Ouais. Et puis, ils savent ce qu'ils font aussi, je pense. Il faut rappeler quand même que le spectacle, il y a beaucoup de gens, en fait. Ah non, mais c'est dément. C'est-à-dire que c'est vrai que la plupart du temps, plus comme c'est souvent les nouveaux, les ouais. petits bisous qui sont interrogés, ils sont tellement contents d'être là qu'on n'a que ça. Alors oui, on est très contents, c'est vrai. Mais c'est une énorme machine. C'est-à-dire que là, on vient de finir les Enfoirés 2019. Ils sont déjà en train de fomenter les trucs pour le 2020. Il y a 270 techniciens, les meilleurs en son, en lumière, en costume. C'est pas des stylistes, c'est des costumiers, costumières. Il faut expliquer que vous répétez un certain nombre de mois avant, sur les chansons, comment ça se passe avec même les musiciens. Pas des musiciens. Qui veut chanter quoi avec qui? C'est voilà. un casse-tête. C'est-à-dire qu'on aimerait vraiment pas être les assistants de la prod qui doivent décider qui chante quoi et comment, qui que quoi. Et en plus, Zazie, il y a, pour organiser, il y a 250 bénévoles. Voilà. Alors ça, c'est la chose dont on s'aperçoit quand on est oui, à l'intérieur. Organiser quoi. Voilà, c'est que alors ils sont de partout, ils nous aident, il y en a une qui est géniale qui nous fait des crêpes depuis 10 ans. Bon. Parce qu'on a des spectacles qui font 5 heures d'affilée. Oui, parce que ça on le sait pas aussi, c'est-à-dire qu'en fait, chaque spectacle dure très extrêmement longtemps quoi. Oui, alors c'est vrai qu'il faut aussi venir voir les concerts, on était aussi tellement contents et rassurés, enfin contents, je sais pas si c'est le terme, mais rassurés en tout cas pour la cause que ça soit complet très très vite. Ça a été complet en 2 jours, je crois les spectacles. On fait quand même 5 concerts. Hein. Ouais. De 5 heures à chaque fois. De 5 heures et, à chaque et fois. Et tout ça est enregistré et après retravaillé, remonté, et c'est ce qui donne le show qu'on a vu hier soir en télé. Exactement. Oh ben on va s'écouter. Ah pardon. Les Restos du Cœur, c'est être solidaire ou c'est une fête? Bah c'est la fête de la solidarité. Fromage et dessert, ça commence la Normande. c'est de la solidarité. Sincèrement, moi, quand j'y pense à chaque année, parfois, j'ai des tournées, des choses comme ça, je me dis, j'aimerais bien parfois ne pas le faire. Non pas parce que je me marre pas, mais parce que ça veut dire quand même 15 jours entre les répètes, etc. Une semaine de disponibilité. Et on aimerait surtout bien que ça n'ait pas lieu. Parce que ça voudrait dire que tout est réglé en France. Bon, bah, c'est pas le cas. Donc, on peut pas se réjouir de ce rendez-vous. Ce qu'on peut se réjouir, c'est que quand on convoque, que ce soit des artistes, des techniciens ou des téléspectateurs ou les gens à acheter le disque, ils soient là au rendez-vous. Donc, ça, c'est la fête. On rappelle, un disque vendu, c'est 17 repas. Oui, tout de même. Hein. C'est quand même pas rien. Oui. Et c'est un week-end spécial sur RFM autour des Restos du Cœur. Allez acheter le disque ou le DVD. Et puis vous pouvez le gagner sur RFM. Alors vous allez me dire, mais comment vous donner un truc alors que c'est fait pour apporter de l'argent? Eh bien sachez que dès que vous envoyez des SMS pour gagner ce disque, eh bien tout cet argent-là, il est reversé au Restos du Cœur. Ça c'est pas mal. On s'écoute, on trace. Allez, traçons. C'est l'hymne de cette année des Enfoirés. Sur RFM. C'est Zazie, notre invitée aujourd'hui. Ça fait quoi d'entendre les Enfoirés chanter Speed? Alors déjà c'est dingue parce que d'habitude quand on a une chanson au Resto du Cœur, c'est qu'elle est sortie il y a 2 ans, un an, etc. Là elle venait de sortir, donc j'étais en même temps hyper émue. Je trouvais ça trop trop chou. Ouais. Et après j'avoue que j'ai beaucoup ri parce que j'ai eu Florent Pagny, puis Claire, quand même, puis Jennifer qui venait me voir dans les coulisses en me disant alors attends, après ça il y a quoi? Je ne comprends pas, comment tu fais? Donc ça c'était assez drôle. Mais c'est très touchant parce que je n'ai aucun recul. C'est mon dernier petit, il a encore des couches, quoi. Et là, d'un coup, on me dit qu'il a grandi d'un coup. Il est chanté par d'autres personnes, en plus qu'un talent fou. Donc c'est très émouvant, ouais. Les préliminaires ou l'essentiel? Alors vous faites appel, mon cher Pascal. De quoi parle la machine? Les préliminaires. Alors là, en fait, les préliminaires n'empêchent pas l'essentiel. C'est l'essentiel, les préliminaires. Alors, les préliminaires, en fait, c'est le... Tu démarres une tournée à partir de... Ça démarre quoi? En Bourges, c'est ça? Après les festivals. Voilà. Et puis après, c'est parti. Là, voilà, jusqu'en avril 2020. Ça passe. Attention, tu passes par l'Olympia. C'est entre le 12 et le 16 novembre, quasiment une semaine.
semaine à l'Olympia au mois de novembre, oui. Et puis de toutes les villes de France. Mais tout à coup, badaboum, c'est qu'à de le dire, arrivent trois dates, là, du Diable au Vauvert. C'est le 18, 19 et 20 mars. Donc c'est là. C'est ça. C'est donc la machine, le badaboum et le yo-yo. Oui, je les ai choisis sur le nom. Oui, très joli. Les préliminaires, c'est quoi? C'est un showcase? C'est des clubs. C'est un avant-goût. Ouais, c'est un avant-goût, c'est même on s'ennuie de vous, quoi. Ouais. On s'ennuie quand on joue pas. Donc qu'est-ce qu'on fait là? Ça fait longtemps. Donc c'est une manière de dire on va jouer, puisque c'est ça aussi qui nous plaît dans la tournée. C'est pas tout à fait une tournée, ça fait pas tout à fait le même temps. C'est pas tout à fait la même équipe non plus. Mais on a ce truc qui est prêt. On se dit c'est dommage de pas aller voir la tête des gens. Tournée et, club. Et, voilà, exactement. On se fait trois petits clubs parisiens. Mais oui, mais c'est très. Mais Prince faisait ça à une époque. Il y a un somme de c'est assez original, non? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je pense qu'il faut aussi de temps en temps retrouver un petit peu de sauvagerie, hein, oui. Et se dire que oui, on a une tournée, on a quelque chose de très bien organisé, avec une mécanique très très fluide. Eh ben, ça nous empêche pas de temps en temps de se dire tiens, si on allait se marrer et jouer là, quoi. Donc, le yo-yo, c'est le 20, le badaboum, le 19, et le 18, la machine, tout ça, c'est à Paris. Ras des villes ou ras des champs? Ah! Alors, je crois qu'il faut finir par s'avouer qui on est vraiment. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'aime bien Paris, hein. Je suis une parisienne, tout ça, élevée au gasoil, mais je crois que j'adore m'en aller à chaque fois, mais que j'adore revenir. Alors, c'est vrai qu'il y a une qualité de vie à Paris, en tout cas sur tout ce qui est culturel, le resto à pas d'heure, il y a tout ça. Après, il y a aussi une très mauvaise qualité de vie sur tout ce qui est santé, pollution, etc. Ça me gonfle, je trouve que les gens se parlent mal, qu'il y a une vraie violence dans cette ville aussi, mais je crois que je suis quand même plutôt citadine. On s'écoute Robbie Williams sur RFM. Phil, c'est Zazie notre invité aujourd'hui. Alors l'album essentiel, déjà platine. Oh, on aime bien. C'est bien, non? C'est oui, chic. Oui, c'est bien. C'est chic. Oui, c'est marrant. Bon, avant le platine était 1 500 000 exemplaires, maintenant il est plus qu'à 100 000. Oui, mais enfin, alors à la grande époque, c'était disque d'or était à 100 000. Oui, c'est ça. Donc c'était allez, dans les années, on parle oulala, du siècle en dernier. En 1920, oui. Voilà, oui. C'est ça. Mais non, c'est chouette. Platine, ouais, c'est bien. C'est chouette parce que ça veut déjà dire que les gens semblent l'apprécier, et c'est jamais gagné, et c'est toujours voilà, en attendant la tournée, justement, on n'a que ça, nous, pour savoir si les gens l'aiment ou pas. Le studio ou la scène? Oh, les deux, fromage et dessert. Je pense que si je faisais que du studio, c'est de l'introspection, le studio, c'est du in vitro, donc le côté rat de labo, au bout d'un moment, j'ai envie de voir l'air, quoi. C'est passionnant, parce que on peut chercher, trifouiller, etc., faire des essais, des précipités, des trucs avec des réactions chimiques ou pas, sans le regard des autres. C'est aussi comme ça qu'on avance. Mais je pense que j'ai quand même, même si j'étais pas sûre de ça, parce que j'avais jamais fait de scène quand j'ai commencé mon métier, fait ce métier pour rencontrer par amour des gens, quoi, par curiosité des autres, hein. Et que c'est la scène, c'est une bonne manière aussi de fêter l'éphémère, voilà. Et on n'est pas tous les jours Hulk, on n'est pas tous les jours en train de trifouiller sur une piste pour que celle soit la plus belle possible, ou une voix, on n'est pas tous les jours en forme, mais je pense que c'est important aussi que les gens voient quelque chose de plus palpable de nous, quelque chose de plus imparfait, quoi, de plus humain. T'as passé pas mal de temps en studio sur ton dernier album. Oh, mais un temps infini. Mais est-ce que c'est vraiment passé du temps, en non. fait? C'est ma vie, quoi. Ouais. Et j'aime bien. The Voice, le plaisir de dénicher des talents ou transmettre en s'amusant? Alors, je pense que c'est plutôt transmettre, parce que dénicher, franchement, c'est pas nous qui faisons le boulot. On arrive juste à la fin, nous. Bah, faut vraiment se retourner, quand même. Ouais, je pense que les gens qui sont vraiment alloués là-dedans sont les gens qui font le casting, qui vont chercher au fin fond, même parfois d'Australie ou de Nouvelle-Calédonie, des nouveaux talents, et qui ont la sensibilité de se dire, ah, là, il y a peut-être un truc qui est pas tout à fait prêt, mais qui devrait pouvoir éclore. Après, nous, oui, il y a la mécanique du jeu, qui est marrante en soi, mais il y a surtout un truc qui est quand même la transmission, quoi. On n'est pas boulanger, on n'a pas d'apprenti boulanger, apprenti auteur-compositeur, ça n'existe pas. Alors là, j'ai vu que tu t'accompagnais ta dernière gagnante, entre guillemets, Maëlle.
Alors, je ne sais pas si on peut en parler trop. Tu crois? Mais non, je ne crois pas. Ah bon? Non, je ne crois pas. Ah ouais? Je ne sais pas. Calo, il en a parlé. Ah, ok, bon, là, on peut en parler. Alors, je ne sais pas s'il a parlé de toi, mais il a parlé de Calo, il en a parlé. Hein. Oui, alors, je crois que Calogero travaille avec Maëlle, j'en suis même sûre. Ouais. Moi, j'avais promis une chose à Maëlle, parce qu'elle me l'avait demandé. Elle m'a dit, est-ce que tu seras là? On avait fait la dernière chanson en duo sur la dernière émission de The Voice, quand elle a gagné. Et j'avais choisi cette chanson pour elle, vraiment à juste titre. Et je lui avais dit, oui, je serai là. Alors, pas non plus à n'importe quelle condition, etc. Puis j'avais un petit peu de travail aussi. Mais voilà, j'ai fait un texte, et puis Calogero a fait la musique. Non. Eh ben, écoute, on va écouter le premier tube de ton dernier album, Speed, c'est Zazie sur RFM. C'est Zazie, notre invitée aujourd'hui. Elle fait une préchauffe de la tournée, on appelle ça comme ça. Alors, c'est le 18 à la Machine, le 19 au Badaboum et le 20 au Yo-Yo. Ouais. Et c'est à Paris, donc c'est trois clubs. Et sinon, la tournée, c'est tous les festivals cet été. Exactement. Et puis ensuite, tournée jusqu'en avril l'année prochaine. Avril 2020, ouais, mais on est tellement contents, on fait plus d'une centaine de dates, donc une bonne tournée. Elle passera obligatoirement chez vous, il n'y a aucun doute. Et une semaine à l'Olympia, du 12 au 16 novembre, c'est en fin d'année, donc les places sont en vente. Sport ou canapé? Sport, je pense que j'ai un petit syndrome d'hyperactivité depuis que je suis enfant. Pas non plus, enfin c'était pas non oui, plus pas dramatique, non enfin, c'était bon, pas il ouais. Y a pas de quoi faire un drame, mais je pense que mes émotions passent par mon corps et que j'ai besoin que ça sorte, quoi, voilà. D'accord. Donc la scène, c'est bien pour ça. La scène, c'est bien pour ça, ça me calme. Oui. Je fais du sport, des sports un peu particuliers, comme la chute libre indoor, par exemple. C'est ça. Alors, c'est dans une soufflerie. Ça oui. A été inventé par les parachutistes qui voulaient répéter sans avoir monopolisé un avion. D'accord. Donc, c'est un espèce de grand tube qui fait 15 mètres oui. De haut. Ça souffle. Et il y a une soufflerie dedans, et on peut faire tout un tas de figures. Donc, l'intérêt, c'est qu'on ne chute pas, mais on vole, puisqu'on d'accord. Part du sol. Oui. Et voilà, c'est très, très précis. Mais bon, c'est un sport un petit peu particulier, mais c'est génial. Et on se fait pas mal. On met un casque, une combi, on fait attention, quoi. Vélo ou voiture? Alors, j'ai une... On devrait dire un scooter, mais qui ressemble plus à un vélo en termes de vitesse. Hein. Ouais. Et ils le vendent à 55 km/h. Je pense que j'arrive à 47, vraiment très en forme et très en pente. Ouais. Mais il est électrique, voilà. C'est, d'accord. Je pense qu'en tout cas, quand on est dans une ville, c'est pas mal d'avoir une petite conscience d'être un peu moins pollueur que prévu. Bon, c'est dangereux parce qu'on t'entend pas. Hein. Oui, alors, par contre, je hurle. Ça me permet de fermer. Le klaxon, Zazie, celui qu'il vous faut. Une poissonnière, c'est une catastrophe. On fait une pause sur RFM et on retrouve Zazie. C'est Zazie, notre invitée aujourd'hui. Son album est déjà platine. Elle est en tournée partout en France. La tournée passera par l'Olympia du 12 au 16 novembre. Et sinon, attention, il y a trois dates de préchauffe. C'est la surprise au mois de mars. Appelé les préliminaires, c'est le 18 à la Machine, le 19 au Badaboum et le 20 au Yo-Yo. C'est plus facile d'être une femme dans la musique ou cela ne change rien? Ah, bonne question, hein. On a combien de temps? Est-ce que c'est plus facile? Je sais pas. Je pense que ça a certains avantages, c'est qu'on n'est pas très nombreuses. Mais oui, si tu dis quelque chose d'important, c'est qu'il y a plus de chanteurs qui ont du succès oui. Que de chanteuses. Oui. Et pourtant, je ne pense pas qu'il y ait qu'il y ait moins de femmes que d'hommes qui aient du talent. Ouais. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut en même temps être un peu un soldat, c'est-à-dire pouvoir gommer une certaine forme de féminité quand on est comme ça dans un mais comme plein de métiers qui tournent avec des hommes etc. Mais que ça a aussi quelques avantages, c'est que il y a aussi un regard doux envers tout un tas de partenaires, d'hommes, de musiciens, de techniciens, et que ça fait du bien aussi d'avoir des équipes hétérogènes comme ça et d'avoir aussi bien du féminin que du masculin. Il y a une étude qui est sortie aujourd'hui, qui est publiée par le syndicat, la CGT, sur le nombre de femmes musiciens. 20%. C'est un truc de dingue. Hein. C'est fou. 80% de gars, 20% de femmes.
Et en plus, t'as dit femme musicien. Ouais, c'est faux. C'est vrai, t'as raison. 20%. Ouais, alors ça, je me l'explique pas. Je pense que sincèrement, il faut savoir surfer. Toi, tu aussi. Joues beaucoup avec. T'as beaucoup de femmes musiciens sur ton. Oui, nous, on est. Alors, j'ai pas fait exprès, mais c'est vrai que depuis quelques années, je commence à être un peu attentionnée là-dessus. C'est moitié-moitié, quoi. C'est, oui, c'est la parité. Une parité. Parité. C'est-à-dire qu'on a des femmes qui sont aussi dans le son. Ouais. J'ai deux guitaristes à mes côtés qui sont des filles. Ouais. Donc c'est vrai que la ligne de front, c'est trois filles. J'ai pas fait exprès. dont Edith Von Buena qui a réalisé avec toi l'album. Oui, alors ça, c'est un atout. On l'a vu récemment monter aux côtés de Chloé, de la veuve de Bachung. Mmh. Oui, elle a cette élégance-là, ce savoir-faire-là, de la pop, rock. Et surtout, elle est inventive. On est très complémentaires. C'est-à-dire qu'avec ses heures et ses temps infinis à passer auprès d'artistes, elle sait nos zones de faiblesse, elle sait nos zones de fragilité, elle sait quand, de temps en temps, elle peut nous faire confiance et nous acculer ou nous inviter à aller plus loin. En même temps, avec un énorme respect. C'est-à-dire que on n'est jamais en danger, quoi, où le risque est prévu. Être maman, cela ne change rien ou cela change tout ? Ça change tout. Ça change tout. La parentalité, parce que maman comme papa, ouais. La parentalité change pas mal. Elle éclaire différemment la vie. Pour moi, ça a été une des vraies révélations. Je n'ai pas du tout fait un enfant, j'ai fait un enfant comme tout le monde. Le fruit de l'amour, ce qui est déjà quand même une très très bonne base, hein, c'est l'essentiel. Mais on se rend compte après que c'est, ouais, qu'il y a quelque chose de l'ordre de la non-importance, de la priorité. Quand on est artiste particulièrement, on est un peu élevé au narcissisme. Voilà, il y a des gens, il y a des articles qui sortent, etc. On s'en fout, quoi. Voilà, c'est, la priorité est ailleurs. On a mis quelqu'un au monde et il faut faire grandir ça. On fait une pause avec Calvin Harris sur RFM Promise. C'est Zazie, notre invité aujourd'hui. D'ailleurs, tu seras toute la semaine prochaine, RFM est à Avoriaz. Ah ben, dis donc, oui, au ski. Mais ça, on adore les Winter Machins, oui. C'est super. Ah ben, ça, la Winter Week, c'est la RFM Winter Week, c'est à Avoriaz la semaine prochaine. Et donc, toi, tu seras mardi. C'est mardi. Et avec, il y aura toi et Jérémy Frérot le mardi. Et sinon, il y a Diva Fouf, il y a 400 Trees, il y a Slimane, il y a Zaz, il y a Jonathan, toute la semaine, à Avoriaz, RFM en direct à partir de 17h. C'est cool. Et donc mardi, ski. Voilà. Ski bonnet, ski. Fromage et dessert. Exactement. Et raclette. Snowboard le matin, voilà. Concert le soir. Et raclette. On espère sans le plâtre. The Freaks, c'est chic ou The Freaks, c'est une mobilisation pour la planète? C'est les deux, hein. C'est chic de se mobiliser. Ouais. FREAKS, qui est donc le collectif inventé, enfin le organisé par les Chaka Ponk, autour aussi avec la Fondation pour la Nature et l'Homme, l'ancienne Fondation Nicolas Hulot, etc., qui nous prévient, mais enfin on n'est pas les seuls, hein, depuis des années de ce qui va nous arriver et de ce qui est déjà en train de nous arriver sur le coin de la figure. Donc sans parler forcément de fin du monde, je pense que on est en train de s'apercevoir, d'ailleurs même les entreprises, même le gouvernement, que on a nous aussi un pouvoir de l'autre côté de l'échelle, voilà, nous les consommateurs, on peut consommer différemment, on peut vivre un tout petit peu différemment. Il s'agit pas d'avoir une robe de bure et de s'éclairer à la bougie, loin de là. Ça peut être aussi très sexy et très fun de réapprendre des gestes qui sont beaucoup moins énergivores, quoi. Par exemple, c'est quoi? C'est éviter les bouteilles avec du plastique, c'est ce genre de truc. Voilà, là, moi je sais que sur scène par exemple, et on en a beaucoup parlé avec les Chaka Ponk qui eux ont du recul là-dessus parce qu'ils le font depuis des années, mais aussi Radiohead qui fait ça depuis des années. Prendre une, vous voyez, les fontaines d'eau plutôt que les je sais pas combien de millions de petites bouteilles ou au bout de gorgées, on a je sais pas combien de plastique qui n'est pas recyclable. Ouais. Le plastique est recyclable, mais pas à l'infini. Il est recyclable deux ou trois fois. Après, il est plus recyclable. C'est aussi ça, c'est qu'on dit oui, voilà, alors il faut mettre ça, c'est bon, c'est cool, c'est recyclable. Non, le plastique n'est pas recyclable à l'infini. Le verre, oui. Voilà, donc c'est des choses simples. Redire des fondamentaux, se dire que bon, on peut y inclure du fun et surtout des artistes qui s'engagent et qui disent ce qu'ils font, mais qui font ce qu'ils disent. Ça va être nouveau aussi.
Oui. Alors, on peut aller sur le site, hein, frix.com. Voilà, il y a une liste. Voilà, il y a une liste de gestes, de choses simples à faire. Donc, on coche, tiens, ça, je peux faire, ça, non. Ah, ça, tiens, peut-être, oui. Par exemple, acheter en vrac. Acheter en vrac. Ça évite tous les emballages. Exactement. Changer de fournisseur d'électricité. Prendre un fournisseur qui fait l'électricité verte. Maintenant, ouais. Presque tous les fournisseurs d'électricité le proposent. Et c'est pas ça plus prend cher. 5 minutes à cliquer sur deux trucs. Uh-huh. Et voilà, et c'est pas plus cher, voire moins. L'inspiration, c'est un petit miracle ou du travail ? Oh là là, les questions. Oh, est-ce que c'est un petit miracle ou du travail ? Non, je pense que c'est du travail. En fait, moi, quand je fais un texte, je suis pas inspirée, c'est avant que je le suis. Quand je fais un texte, je l'expire. Si on est sur le mouvement ouais. physique de l'étymologie du terme. L'inspiration, c'est avant. C'est se balader dans la rue, se servir de ses émotions, regarder celles des autres. C'est observer le monde, le ressentir. Surtout, on n'est pas des politiques, donc c'est plus une question impressionniste. Là, c'est ça l'inspiration, mais on ne sait pas que ça en est. Ça peut même ressembler à une dépression, parfois. Parce qu'on prend tout, comme des grosses éponges. Le bien, le mal, tout ce qui nous touche, en fait. Toutes les aspérités. Et puis... Une fois qu'on a bien inspiré tout ça, y compris le CO2, etc., on se rend compte qu'au moment où on a fait une musique, moi je commence souvent par les musiques, et ben les mots nous viennent avec, comme un cinéma qu'on s'est fait. On puise dans cette besace, dans cette grosse éponge, en disant, bon ben ça non, ça c'est nul. Mais ça par contre, oui, parce que si ça me reste sur le cœur, c'est que ça doit rester peut-être un peu sur celui des autres aussi. Donc, c'est du travail. C'est du travail. Et il n'y a pas de miracle. Non. Mince. Oh bah, duo, tiens, Pascal Obispo, Zazie, les meilleurs ennemis sur RFM. C'est Zazie, notre invitée aujourd'hui. Elle sera en tournée partout en France. Et attention, il y a 3 dates qui ont été rajoutées. Mais alors là, c'est les showcases. Comme ça pour rire. Comme ça pour rire. C'est 18, 19, 20. Ça sera La Machine au Badaboum et au Yo-Yo à Paris. L'Olympia, c'est la semaine du 12 au 16 novembre. Et oui, alors vous allez toujours hurler parce que je donne pas les dates de province, mais il y en a tellement. Donc, partout. Faut aller voir sur le site, ouais, elles sont toutes indiquées. Chat ou chien ? Chat. J'aime bien les chats parce qu'on a toujours l'impression qu'ils se foutent de notre gueule un peu et qu'ils sont pas complètement domestiqués ni domesticables. On a fait des études très sérieuses, hein, pas moi parce que j'avais autre chose à faire. Alors oui, c'est tout mignon, c'est doux, ça ronronne. On se dit oh là là, Dieu sait qui m'aime. Pas du tout. En fait, non, ils marchent par tableau, le confort, le pas confort. Donc ils associent une personne comme le poste de télévision et comme la couette à une zone confort. À un tableau de confort. J'aime bien ça, moi, l'idée quand même que c'est pas parce qu'ils sont petits qu'on peut leur faire du mal, hein, qu'ils sont dépendants de nous, en fait, quelque part. Et si j'ai bien compris, je crois qu'ils pensent qu'on habite chez eux. Hein. En plus, c'est exactement ça. C'est agréable. On est tolérés. C'est un peu ça. Le droit à la différence ou le droit à l'indifférence ? Ah. Alors ça dépend de quoi on parle, mais la question est joliment posée parce que si on parle de tout ce qui est, alors que ce soit toutes les phobies que peut avoir notre société, ça va du racisme à la xénophobie, à tout un tas de choses, aux homosexuels, etc. Là, je crois qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse plus, mais je ne suis pas non plus homo, par exemple, c'est le droit à l'indifférence, qui voudrait dire qu'on est traité exactement pareil, ni mieux, ni moins bien. Après, il est normal que ça passe aussi parfois par un esprit communautariste pour ces gens qui se sentent exclus, ils sont obligés de s'organiser en collectif, voilà. Mais je crois que la meilleure des choses, c'est à partir du moment où quelqu'un commence à me dire je suis pas raciste, je trouve ça louche, moi. C'est donc qu'il a envisagé qu'il avait dit un truc penser. Voilà. Oui. J'adore par contre quand ma fille, quand elle avait 4 ans, arrivait, elle me disait mais tu sais le monsieur marron. Elle n'a pas dit le noir, elle n'a pas fait attention à dire oui, non, black, c'est plus sympa que de dire noir. Non, elle a dit les marrons. Ouais. C'est une réalité. Voilà. On écoute Bruno Mars sur RFM, Locked Out of Heaven.
C'est Zazie, notre invitée aujourd'hui. Elle est en tournée partout en France. Et trois dates de préchauffe, c'est le 18, 19 et 20 à Paris. Donc des clubs, la machine, le badaboum et le yo-yo. Et sinon, je vous rappelle, à Avoriaz, c'est mardi en direct des pistes. Ah oui. J'espère qu'elle n'est pas dehors, la scène. Parce que j'ai vu qu'il allait neiger. Donc, ça peut être très drôle, mais je pense que j'aurais plus de consonnes. Avec le stress. Le concert de voyelles. Quel est le plus fort, l'amour ou l'amitié ? Alors après, il faudrait redéfinir. Ça, c'est pareil, c'est une question hautement philosophique. Je pense que l'amour est aussi dans l'amitié. Et que parfois, notre société, notre culture fait que on a décidé sous le mot amour qu'il n'y avait pas d'amitié possible. Alors qu'en fait, il n'y a rien de plus simple, quoi. L'amour est partout. Et je pense qu'on a besoin de, non pas de décompartimenter, mais de redéfinir, c'est une affaire intime, quoi. Mais que, c'est vrai que moi, parfois, je me disais, tiens, voilà, tel amoureux, il me fait ça, j'aime pas trop quand il me fait ça, et si c'était pas mon amoureux, ça me ferait rigoler. Donc, en fait, qu'est-ce qui nous... On manque de recul en amour. Ah oui, mais qu'est-ce qui... Alors qu'on a plus de recul en amitié. Mais bien sûr, ouais. Qu'est-ce qui nous heurte chez l'autre dans les zones d'amour ? C'est pas lui, c'est peut-être un effet miroir ou quelque chose qui nous met dans un sentiment d'insécurité. Donc, je pense que l'amour est vraiment partout. Et moi, mes amis, je les aime. Et j'ai pas besoin de me dire que je les aime d'amitié ou de fraternité ou de compagnonitude ou d'amour, quoi. Anxieuse ou zen ? Oh bah les deux, mon capitaine. L'un ne va pas sans l'autre, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de frôler la zénitude si on est vraiment très très calme de naissance. Ou angoissée, c'est peut-être pas le terme. Questionnante. Alors de temps en temps, là, quand il y a trop de questions et pas assez de réponses, ça peut ressembler à une inquiétude un peu diffuse qui pourrait être de l'angoisse. Mais je pense que j'ai profondément une vitalité en moi qui fait que même si de temps en temps je sais aller un peu au fond, chercher aussi des réponses et de l'honnêteté envers moi, et puis même pour mon métier, je m'en sers, pour les mots en tout cas, pour les textes, je préfère la lumière quand même, je préfère être à la surface que trop longtemps en apnée. On va écouter le nouveau single, extrait de ton dernier album, et c'est le titre de l'album, Essentiel, l'essentiel, c'est Zazie. Zazie, merci d'avoir passé une heure en notre compagnie. Merci Pascal, donc, c'était joyeux. Oui, c'était très cool. Le 18, c'est à la machine, le 19 au Bataclan et le 20, c'est au yo-yo, c'est au mois de mars, c'est dans 15 jours. Voilà, il reste encore quelques places foncées. Et sinon, la tournée, c'est parti avec tous les festivals cet été. Exactement, et puis après des salles, et puis on ira un peu dans toute la France avec joie, plaisir et délectation. Et passons par l'Olympia, c'est du 12 au 16 novembre. Et sinon, rendez-vous à l'écoute des RFM, c'est mardi en direct d'Avoriaz. Voilà. Avec les stalactites. Exactement. Bonne fin de journée et à l'écoute des RFM. On se retrouve demain à 18h en compagnie de Bertrand Blier.